Merci parce que toujours branché TNH dans le SA pour suivre le journal Mitan Journée. Hein. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Nous avons commencé à page météorologique là avec collaborateur non Wilner Polidor. Bonsoir Wilner. Merci parce que branché télévision nationale d'Haïti dans le SA pour prévision météorologique là. On a commencé à être sous région. Là. Nous avons une zone de haute pression qui commence à étendre sous Caraïbes au Atlantique Nord là et la influence des conditions météorologiques là sous Caraïbes centrales là et masse d'air là qui commence plus ou moins stable sous pays d'Haïti parce que masse humidité a commencé à déplacer vers Caraïbes occidentales là. Cela veut dire que aujourd'hui on a battu avec un temps qui clément sous pays d'Haïti. C'est un bel soleil jeudi avec un temps cap venteux aussi. Jean-Noël là nous gagnons des noyaux de vent cap un peu fort sous pays d'Haïti avec quelques rafales, pas avoir avec 4 devant ça, mais c'est soleil là qui a prédominant sous pays d'Haïti pour jeudi. Mais en fin d'après-midi, en début de soirée, au cours de nuit, il y a une possibilité pour gagner quelques averses isolées, mais c'est surtout sous massif du nord, département de l'Artibonite, du centre, on est capable de jouer quelques gouttes la vie, mais c'est vraiment des averses faibles, mais aussi isolées sous département de notre cité là-haut et sous Respeya. C'est seulement au relief, nous avons quelques gouttes, mais dans l'ensemble, c'est beau temps pour le pays d'Haïti pour jeudi. Pour capitale avec zone qui environne sur capitale qui aussi a de beau temps par rapport avec étalement de zones de haute pression, mais aussi par rapport avec masse d'air là qui plus ou moins sec et stable. Nous avons avec un temps qui ensoleillé sous propre avec zone qui environne lieu avec vent qui a venté aussi sous capitale là et avec quelques rafales que nous sommes capables de gagner au cours de journée sous Port-au-Prince et ses environs, mais c'est quelques rares averses qui ont gagné sous capitale là avec zone qui environne lieu surtout sous mon nacelle, disons zone qui trouvait yo au sud de Port-au-Prince qui a gagné quelques activités la vie, mais dans l'ensemble c'est beau temps pour la capitale et ses environs. Température très aujourd'hui c'est 35 degrés Celsius, la fait chaud sous pays là et puis par la descente c'est 24 degrés Celsius encore. Au cours de nuit, on a senti effet de chaleur par rapport avec la température qui est à la hausse aujourd'hui à sous Port-au-Prince avec zone qui environne lieu. Nous avons mer qui agité sous pays d'Haïti, non seulement sous côte sud pays d'Haïti, mais golfe de la Gonave avec région nord pays d'Haïti, c'est un mer qui peu agité, capitaine yo capable de naviguer correctement, mais sauf que région sud là faut prendre précaution au large et pour page astronomique sur la couche jeudi à 6h47 minutes et la levé de matin à 6h38 minutes. Merci pour fidélité avec attention, n'a pas croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous-même tout. Dans l'actualité, à nouveau ministre tourisme, Marie-Christine Stephenson prend fonction journée mardi 18 septembre. Il y a une cérémonie déroulée dans le local ministère sous champ de masse. Esaïe Aurelius et Moïse Wilbridge à Dinoplis. C'est ministre Santé publique et population, Marie-Greta Wa-Clément, qui a mené la cérémonie d'installation. Marie-Christine Stephenson remplace Jessie Emily Colombenos, qui passait 17 mois, à diriger le ministère. Sa. Dans l'occasion, le ministre sortant en qualité service secteur avec un pile efficacité, pendant le fait qu'on ait arrêté un pile travail qui pouvait être pour mettre le secteur touristique la souraille. Je dis, si nous voulons compétitif, nous voulons attirer le monde la caille, c'est peut-être nous pour nous occuper avant. Si nous qui pouvons gagner l'autre, pour nous sortir du pays à l'installer. Gardez en haut, gardez en bas, gardez à droite, gardez à gauche, l'obliger nous. Travail pour permettre aux touristes de contribuer au développement pays et puis grand opérateur touristique vivre des secteurs. C'est mission ministère, d'après nouvelle ministre touriste, Marie-Christine Stephenson. Madame Stephenson, qui dit le conscient quand il travaille, Captain Lee, mande collaboration tout le monde. À compter de ce jour, ensemble, nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du tourisme de notre pays. Nous allons faire reculer l'horizon des possibles, la pauvreté, pour les acteurs de cette industrie qui pourraient significativement contribuer à l'augmentation de notre produit intérieur brut. Nous nous attelons d'ores et déjà à dynamiser le secteur en vue d'optimiser les résultats.
Nous travaillerons à la régulation du secteur. Nous mettrons tout en œuvre pour susciter une vraie synergie entre le secteur public et le secteur privé au bénéfice de l'industrie touristique. Cérémonie installation ministre touriste là déroulée en présence parents, amis, opérateurs touristiques et cadre ministère. Il y a un nouveau dirigeant avec même mission qui s'est fait appliquer politique touristique administration Moïse et gouvernement Seyan. Toujours dossier installation ministre agriculture, ressources naturelles et développement durable, Joubercé Engrain installé jeudi mardi 18 septembre 2018 là, Joseph comme nouveau ministre environnement. Cérémonie s'est déroulée dans le local ministère dans Sonapi. Nous invitons à suivre. C'est en présence ancien ministre environnement Pierre-Simon Georges, plusieurs parlementaires et quatre employés ministères, ministre agriculture et ressources naturelles et développement durable, Joubercé Engrain installé citoyen Jout Joseph comme nouveau ministre environnement. Dans l'occasion, ancien ministre environnement Pierre-Simon Georges remercie employé pour supporter Bali pendant 18 mois li passé à diriger institution ça. Li profite pour demander remplaçant l'an continuer à ensemble projet li commencé yo dans l'idée pour politique gouvernement ça qui gen awe ak environnement k'ab respecté. J'ai l'honneur, le grand plaisir de dire merci. Et un au revoir qui part du cœur à tous les employés, à tous les cadres du ministère de l'Environnement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez permis, grâce à votre collaboration, d'écrire mon nom en lettres d'or dans la mémoire de ce ministère. Je ne veux pas dicter à ministre Jout ce qu'il aura à faire au ministère. Mais en ma qualité de ministre sortant, je me vois obligé de lui dire où nous sommes, surtout dans certains projets que nous avons commencés. Nouveau ministre là, Jout Joseph, remercie chef l'État Jovenel Moïse et chef gouvernement Jean-Henri Seyan pour confiance sur place dans l'île et choisi pour occuper fonction ça. Pour arriver exécuter feuille de route gouvernement lien, il sollicite collaboration tout employé ministère. Mesdames, Messieurs, ma nomination à cette haute fonction intervient dans un contexte particulièrement difficile où le pays se trouve confronté à des problèmes les plus cuisants en matière de gestion de l'environnement. À ce titre, du moins à titre d'illustration, nous n'avons qu'à regarder la situation de nos ressources hydriques, nos bassins versants, l'état d'insalubrité du pays en général et de la capitale en particulier. Le spectre hideux des morts ne surplombant pas au prince et ses environs, pour ne citer que cela, et nous nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation pénible pour nous. Nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation pénible pour nous tous, autant dire les défis à relever et les tâches qui nous attendent sont à la fois complexes et immenses. Donc, imbu et conscient de ces nombreux défis, j'ai accepté volontiers ce poste ministériel avec comme seule ambition de continuer à servir mon pays au plus haut niveau et de travailler sans relâche, avec passion et ardeur, en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès, de développement économique et social prônés par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Ministère environnement gen pour mission formuler ak fè appliquer, orienter ak fè respecter politique gouvernement nan sa ki gen awè ak environnement. De l'autre côté, Dr. Jean-Claude Pierre prend fonction comme nouveau ministre planification et coopération externe AMADI 18 septembre 2018 là. Ministre tout neuf planification en a discours li fait promesse li pral travail pour renforcer coopération internationale et puis combattre contre pauvreté dans pays d'Haïti. Reportage 7 Kwapaki avec Michel Joseph.
C'est le ministre sortant planification et coopération externe, M. Aviol Florent, qui installe le nouveau ministre plan, Dr. Jean-Claude Pierre, ancien ministre planification, dans cadre cérémonie ça, t'es profité présenter bilan travail pendant plus passé une année passé dans tête ministère. M. Aviol Florent expliquait avec le ministre tout neuf planification, qui a rempli l'autre travail qui a prêté dans la fonction ça. Je souhaite bon succès au premier ministre, investi, le notaire et confrère, ami Jean-Henri Séan, au nouveau ministre, et en particulier le nouveau ministre de la planification et de la coopération externe, le docteur Jean-Claude Pierre. Je souhaite mes voeux de succès également au secrétaire d'État, au directeur général de la nouvelle administration politique. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes animé, que des valeurs vous habitent et que vous saurez diriger ce ministère comme tout bon ministre de votre trempe et de votre acabit l'a déjà fait. J'en profite pour souligner à votre attention que le ministère de la planification et de la coopération externe se veut un oiseau à deux ailes. L'aile de la planification du développement en ce qui a trait au système national de la planification, à son sous-système national d'investissement public, et l'aile de la coopération externe qui se veut. Cet outil qui devra nous aider à parvenir à nous renforcer sur le plan interne, à faire reculer le spectre hideux de la pauvreté. Nouveau ministre de planification, Jean-Claude Pierre, remercie l'administration Moïse et le gouvernement Séan pour confiance sur placer dans l'île pendant les promesses qu'il prend le travail pour renforcer la coopération internationale. Je m'engage à faire une gestion rationnelle et transparente des ressources publiques disponibles selon les instructions que j'ai reçues du chef de l'État et du chef du gouvernement, afin que le ministère de la planification puisse effectivement servir de catalyseur du développement économique et social du pays que la population attend depuis longtemps, voire trop longtemps. Mesdames, Messieurs, dans le contexte historique national actuel, l'urgence d'œuvrer de manière sincère et réelle au bien-être de la population haïtienne se fait plus que jamais sentir. L'heure n'est plus aux discours soporifiques et aux interminables palabres, mais à l'action concrète. La population attend que soient mis en œuvre des projets susceptibles d'améliorer les conditions de son existence. Elle veut s'affranchir de la précarité, se libérer du carcan de la pauvreté extrême, de telle sorte qu'elle puisse accéder enfin à la modernité, après plus de deux siècles d'indépendance. Cérémonie ça a été déroulée en présence de plusieurs autorités, quelques parlementaires et divers employés dans le ministère de planification et coopération externe. Ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin investi dans fonction mardi 18 septembre 2018 la. Cérémonie installation a déroulé en présence famille, amis, ancien ministre, directeur général et puis divers cadres institutions. M'invite au suivre. Son ça, c'est occasion pour ministre Kilti sortant Joseph Guilherme Delva remercier président République la Jovenel Moïse qui était fait choix d'élu pour venir servir pays à. L'été profiter occasion ça à tout pour faire éloge nouveau ministre qui remplace là Jean-Michel Lapin, d'après lui qui c'est une compétence et puis qui connaît bien administration publique là. L'arrêté élevant Jean-Michel Lapin au rang de ministre de la Culture et de la Communication n'est nullement un cadeau. Jean-Michel Lapin le mérite bien. Il a travaillé pendant de longues années dans la fonction publique pour le mériter. En pareille circonstance, vous conviendrez avec moi qu'il serait de bon ton, qu'il est d'usage de souhaiter succès à quelqu'un qui s'apprête à assumer des responsabilités d'une telle envergure. Mais je me passerai de souhaiter succès à mon successeur, puisqu'il n'en a pas besoin, parce que avec lui, le succès est déjà garanti. Ministre intérieur, collectivité territoriale, Jean-Marie Rinaldo Brunet, qui a possédé à l'installation, salué par le nouveau ministre dans la fonction publique. Là, pendant le rappel, titulé ministère qu'il tient, gros défi Captain Lee dans le poste. Le ministre Lapin a bien compris les responsabilités
et les enjeux qui sous-tendent en acceptant de diriger cette fois au niveau le plus élevé cette institution aussi importante de la République. Point n'est besoin de vous rappeler les défis auxquels vous aurez tout à l'heure à faire face parce que vous êtes un vieux de la vieille. Vous avez sûrement vécu tous les soubresauts, mais également des moments de la gloire de ce ministère. Monsieur le ministre, les chantiers de la culture et de la communication sont divers et nombreux. Les politiques publiques que vous avez à mettre en œuvre comme directeur général vont être de plus en plus améliorées pour finir. Nouveau ministre Kelty à communication, Jean-Michel Lapin, annoncé diverses mesures et projets qui t'a dû réaliser pendant le mandat Latankou, restauration site, restauration fort et puis bon encadrement pour Atisio. Ministre a déclaré tout, éducation culturelle tant que danse, musique, art plastique et puis théâtre doit venir en réalité à travers l'école yo. Dans ce sens, il a demandé tout cadre dans le ministère mettre ensemble avec lui pour permettre le secteur de contribuer plus dans le développement économique du pays. La création de la cité de la jeunesse de la Croix des Bouquets, visant à offrir un espace d'accueil à nos jeunes artistes, plasticiens ou musiciens. La mise en valeur de nos ressources patrimoniales, aussi bien matérielles qu'immatérielles, visant à consolider une industrie culturelle qui deviendra la marque distinctive d'Haïti dans la région. La restauration des sites, des forts, dans une démarche de reconquête environnementale, envie de valoriser le dynamisme des jeunes de chacune de nos communes concernées et de développer de véritables partenariats avec les établissements scolaires et les municipalités. Mettons-nous à l'œuvre pour réaménager les équipements culturels du pays et pour en construire d'autres. Cinquièmement, l'éducation culturelle à l'école doit devenir désormais une réalité. Il faut qu'enfin, nous inculquons aux enfants le goût de l'art en leur donnant accès aux pratiques artistiques, la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques. M'a rappelé, Jean-Michel Lapin a environ 30 l'année depuis le travail dans l'administration publique. Là. Il a commencé dans le ministère de la Santé publique, après il a transformé dans le ministère de la Culture. 29 janvier 2015, suite à un arrêté présidentiel, Jean-Michel Lapin nommé directeur général du ministère. Je n'ai jamais dit l'arrivée ministre qu'il dit à communication. Ministre Santé publique et population Marie-Greta Roy-Clément installé mardi 18 septembre 2018 la nouveau ministre conditions femmes et droits femmes Evelyne Saint-Ville dans fonction ça. Nous invitons à suivre un reportage avec Stéphanie Charles et puis Dieudonné Lidier. C'est en présence plusieurs cadres et employés institution ça cérémonie en déroulé. Dans l'occasion, ministre Santé publique et population salué travail ministre sortant Eunide Innocent réalisé pendant passage dans tête institution et puis souhaiter le succès dans l'autre mission la gain pour remplir en dans pays a. Responsable MSPPA souhaiter nouveau ministre là Evelyne Saint-Ville bonne chance, lui mander employé collaborer avec elle pour avancement ministère. Ancien ministre là, Eunide Innocent, dans discours li fait, rappelé nouveau ministre là, ministère conditions femmes ak droits femmes, c'est symbole femme haïtienne qui croit dans émancipation femme yo. Li promet li toute collaboration dans cadre mission l'a gagné pour le remplir. Ministre tout neuf là, Evelyne Saint-Ville, félicité ancien ministre là pour travail li accompli pendant temps li passé dans institution ça. Ministre là sollicité collaboration tout employé yo pour ka continuer bay bon résultat dans ministère. Ministère conditions femmes et droits femmes créé par un décret 8 novembre 1994. C'est organe central qui chargé pour définir, concevoir et faire appliquer politique dans le domaine conditions et droits femmes en Haïti. Député circonscription Mibalea Abel Décoline fait connait groupe 16 là pas crasé Jean en pile monde ta vle fait quoi ça. Parlementaire a dit groupe 16 là te chit a parlé avant séance ratification pour te décider Jean tout député dans groupe là ta bien pour voter. Nous invitons suivre. Nous entendre clarifier de mes interprétations et qui fait
au lendemain de séance ratification, voie d'approbation politique générale, nouveau Premier ministre Jean-Henri Séan et son cabinet ministériel. Information qui t'a interprété, qui parlait de la fin du groupe des 16 députés qui, initialement, t'a interpellé l'ancien gouvernement du Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Bien évidemment, déclaration yon collègue de groupe 16 ans li passé comme yon déclaration isolée. Isolée dans la mesure où groupe 16 ans li existait et groupe 16 ans li était participé dans séance là et ce qui a été convenu c'est ça qui passait dans occasion séance là. Cela dit, groupe 16 ans, nous l'avons toujours rappelé, et vous autres journalistes accrédités au Parlement, nous connaissons pertinemment, groupe 16 ans, c'est pas un bloc formellement constitué. C'est un groupe qui gagne de collègues, qui d'horizons divers, qui fait partie de l'autre bloc constitué légalement au niveau de la Chambre des députés. Elle était convenue, suite à plusieurs rencontres, plusieurs discussions, non pas by un consigne de vote. Ceci étant dit, groupe 16 ans gagnait 5 votes contre pendant vote dans le cadre énoncé politique général, 4 abstentions. N'a pas rappelé que tu gagnais 2 collègues qui étaient absents pour raison de santé, député Fekir et député Roger Millien. Et il y a le collègue Baudelet qui fait partie de groupe 16, qui était dans séance là, mais qui pendant vote là, pas voté ni pour, ni contre, ni abstention, parce que les pattes entrent dans la salle là. Et gagnait seulement 4 collègues qui, eux-mêmes, en vertu de dispositions, ont été pris à l'intérieur de bloc que eux-mêmes qui votaient pour. L'autre dossier, député circonscription Verrettes-là, Gérard Paul Lormeus fait qu'on est, si qu'il est ministère d'éducation prend pour mander pour professeurs qui peut qu'on nommer pas travail dans l'école publique, yo, a bien gros conséquences sur environ 7 l'école dans circonscription liant parce que l'école ça yo pas gagné aucun professeur qui qu'on nommer. Député Lormeus encourager direction départementale éducation dans la Tibonite pour prendre ça en considération. Nous invitons aussi un extrait dans le micro, Fédéral Confident avec Moïse Ulbrich. Ministre a gagné un circulaire qui est sorti pour te demander pour ceux qui paguent lettre de nomination pour ne pas rentrer dans la salle de classe. Moi, je dis que il pose des problèmes dans la mesure où nous gagnons pile l'école qui pague pour ceux qui nous mettent là-dedans, qui dans la situation, si pour te mettre circulaire ça en application à 100%, maintenant, il y a une situation pour obliger de fermer les portes. Et fermer les portes, vous l'avez dit, maintenant, nous parlons des milliers d'élèves. Ça veut dire qui parle dans la rue, qui parle mettre sous ça, qui dans le collège, qui peut pas rentrer l'école. Maintenant, je prends exemple dans la circonscription PAM, sous commune verte avec Liancourt. Nous avons par exemple lycée Borel, il n'y a pas aucun professeur qui nous met la donne. Nous avons lycée des âmes, même situation. Nous avons école nationale Bélanger, nous avons école nationale Larimer Melon, nous avons école nationale Lévesque, nous avons école nationale et nous avons Bab. Etc. Et ça que nous gagnons valeur, etc. Ça veut dire que nous avons environ 7 à 8 l'école. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun professeur qui nous met là-dedans. Et circulaire ça, mettez dans la situation pour élèves dans la rue, et plusieurs milliers, ça peut augmenter la quantité de monde qui parle à l'école. Ça veut dire que nous pensons que faut que le ministère, là, et par le biais de la direction départementale, regarde dans quelle mesure maintenant il est capable de faire une intervention pour nous pas gagner plus échecs dans l'examen pour l'année académique qui va venir. L'autre nouvelle, travail caravane changement après à poursuivre dans le département Grand'Anse PIA. Pendant le week-end qui s'est passé là, autorité dans la région Grand'Anse continue à travailler canalisation qui a fait dans diverses rues à Katie dans la ville Jérémy. Nous invitons aussi. Travail caravane changement a continué dans le département Grand'Anse PIA, dans la rue La Peine, dans la ville Jérémy. Construction canal à caniveau a après à poursuivre. Et puis dans le Bekye, travail pour finaliser dans le Sila fête. Série de travail ça yo a aidé population dans zone ça améliorer conditions vie yo nan pote yon souffre pour les la pluie tomber ça qui connaît la cause inondation puis loin population dans différentes zones côté travail ça yo a poursuivre dans ville Jérémy remercier chef l'état pour ensemble travail ça yo
Dans le cadre de caravane changement, plusieurs villes dans le village Jérémy déjà fini et puis l'ouvrir pour circulation comme ça doit. Après un coup de pause, restez branché, n'abtonnez. Dans le sport, ministre Jeunesse, Sport et Action Civique, Edwin Charles, visite hier matin famille Rosemont-Pierre et lui profite garder dans qui état parc sportif Jean-Marie Vincent. À l'étranger, Ligue des Champions, première journée, Barcelone, Liverpool, Inter Milan, ils ont toutes fait victoire, alors que Paris Saint-Germain et Tottenham fait défaite. Et puis, Real Madrid, Juventus et Manchester United ont entré dans la compétition jeudi. Nous invitons à suivre. Ministre Jeunesse Espoir Question Civique là, Maître Edwin Charles, qui est installé dans poste li lundi 17 septembre à CEA, visité journée mardi 18 septembre là, soit un jour après, dans Pont Rouge, famille Rosemont-Pierre, ancien entraîneur Real du Cap, ancien joueur sélection nationale, qui passait toute carrière li à évoluer dans l'aigle noire, qui joint dans Moli lundi 10 septembre 2018 là, dans zone à carrière, pendant l'étape entre Port-au-Prince. Nouveau titulaire, ministère Sport a été profité l'occasion pour lui présenter sympathie li et puis exprimer solidarité li avec famille défunt. Selon numéro EMJ Sakla, gouvernement Moïseien a accompagné famille Tirosemont qui a traversé un moment difficile. Après installation, donc une instruction formelle était passée à ce que le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique pour nous rendre non pas ici. Justement pour nous être capables de famille, parler avec famille, supporter lié à notre manière. Donc nous faisons le nécessaire, Jean gouvernement Mandesa, pour nous venir là justement, parce que nous disons que Rosemont a un petit monde de 6 mois. C'est un regret que peut-être le football haïtien prend, parce que la mort Rosemont, c'est un gros coup pour le football haïtien. Nous allons prendre responsabilité nous en tant que l'État. Et nous connaissons que bon petit monde qui gagne 6 mois. Rosemont, c'était un ancien employé ministère nous. Hein. Donc il y a un ordre qui passait déjà pour nous capables de supporter la famille à notre manière. Donc d'ici lundi, une délégation qui vient chercher ici directement pour nous rendre dans le ministère là pour nous capables de planifier certaines choses. Mettez d'une chale, tu as profité l'occasion pour visiter le parc sportif Jean-Marie Vincent, toujours dans la zone Pont Rouge, qui trouve lié en très mauvais état. Parc Jean-Marie Vincent, qui est dans la zone nord capitale là, gagne un terrain football et un terrain basketball à Kion. Actualité au sous-plan international suite à Mezi, gouvernement américain qui taxait 170 milliards d'euros importation chinoise. Pékin a annoncé qu'il va pénaliser produits qui sortent États-Unis pour 51 milliards d'euros. Betty Abdinoplis dans un reportage. Tension commerciale a poursuivi entre Pékin et Washington. Côté la Chine prend plaisir, mais y rétorsion après nouveaux dispositions qui concernent elle. Administration américaine adoptée dans affaire la douane. Gouvernement américain taxé 170 milliards d'euros importation chinoise. Bon côté pral Pékin pral pénaliser produits qui sortent États-Unis pour 51 milliards d'euros. Désormais, la Chine impose droit veto douane sur plus fort produits américains. Dans l'Atlantique, là, c'est moitié importation chinoise qui visait pour jusqu'où sur un montant total 430 milliards d'euros. Les autorités américaines ont rentré en application lundi qu'a venu là, environ 200 pages. L'ISA a bien 6000 produits sortis dans MEB, valise pour arriver dans produits qui sortent dans l'OMEB. La Chine, bon côté pas visé produits agricoles. Le président américain Donald Trump, bon côté pas accusé Pékin, voulait peser sous prochaine élection dans le pays États-Unis. L'aile visée, secteur ça. Après tourner la caille, toujours dossier installation, ministre travaux publics, transport et communication, Fritz Kayo, installé docteur Ronel Gilles comme nouveau ministre commerce et industrie, mardi 18 septembre 2018. La cérémonie d'installation a réalisée dans le local ministère, Nari Légitime, Sean Mars. Nous invitons à suivre. J'ai l'honneur, sur demande du Premier ministre, de procéder ce matin à la prise de fonction du nouveau titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Ronel Gilles. C'est en présence de diverses personnalités, parmi eux employés à quatre ministères, ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Kayo, investi Dr. Ronel Gilles dans le poste comme ministre Commerce et Industrie. Dr. Ronel Gilles remplacé Dr. Pierre-Marie Dumeny, qui s'est passé environ 18 mois dans tête ministère. Nouveau responsable ministère Commerce et Industrie promet de collaborer avec tout employé et puis quatre institutions et en façon pour l'hypothé résultat dans le travail pour réaliser dans le ministère. Certifié en gestion publique, je mettrai mes connaissances
des hommes et des choses au service du bien commun. Choisi pour être à la tête de ce ministère, j'amène donc avec moi toute la sensibilité nécessaire à la prise de décisions éclairées et patriotiques. Je suis ici pour résoudre avec vous les problèmes qui accablent l'institution et avec vous les différents moyens de les résoudre. En tant que citoyen soucieux, je sais combien il est important pour tout employé pour pouvoir produire de se trouver dans un environnement agréable. Nous tenterons, autant que faire se peut, dans la concertation, de prendre toutes les mesures susceptibles de contribuer au bien-être des employés et d'améliorer leur performance. D'autant que je suis heureux d'entendre qu'ils sont nombreux de toute génération, mais avec une compétence indiscutable. Je m'en réjouis. Docteur Ronel Gilles, c'est un habitué dans le secteur. Il était occupé poste ministre des Affaires sociales et du travail. De l'autre côté, le ministre Kiltia Communication, Jean-Michel Lapin, installé mardi 18 septembre 2018, là, Eddie Jackson Alexis comme secrétaire d'État Communication. Une cérémonie qui fait en présence vice-président de chambre député à Caleb Deramo, député Philippe Bélizère, directeur général radio et télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, ministre Kiltia Communication Soltan, Joseph Guilherme Delva et puis cadre employé ministère. Nous invitons à suivre. Explique choix, action et réalisation gouvernement, convaincre population sous bien fondé décision yo, explique contrainte à raison qui motive choix yo. C'est parmi divers travail, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis a bien pour le fait, d'après ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin. Dans l'occasion installation, secrétaire d'État communication, ministre Kilti à communication offre tout support ministère par secrétaire d'État communication pour accomplir mission. Le nouveau gouvernement, dans son souci de donner une nouvelle impulsion au volet communication, a trouvé judicieux de faire appel à un chevronné, un homme du sérail, bourré de dynamisme à la tête de la secrétaire d'État à la communication. Choix heureux, à mon avis, quand on connaît le parcours de l'appli. À côté de la feuille de route du chef de l'exécutif, nous attendons, monsieur le secrétaire d'État, avec le support d'une équipe déjà rodée que vous trouverez ici, vous aurez surtout à expliquer les choix du gouvernement, ses actions, ses réalisations. Convaincre l'auditoire de la justesse des décisions. Expliquer les contraintes et le pourquoi de certains choix sans pour autant colorer et embellir. Dire vrai, dire juste, en évitant de tomber dans la plate propagande. Bon côté pas, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis profite de l'occasion pour remercier tout le monde qui t'a supporté, accompagné pour arriver dans le poste ça. De renouveler engagement pour travail, faire promotion pour liberté la presse, liberté d'expression à travers une communication publique qui fondée sous transparence. La cérémonie de ce jour marque pour moi un tournant décisif de ma vie professionnelle et d'exprimer ma gratitude envers le président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse et le Premier ministre M. Jean-Henri Séan pour la confiance dont il m'honore en me confiant cette responsabilité. Ma mission, comme vient de le préciser le ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, consiste à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement. Entendez par là la mise en place de stratégies et d'actions découlant d'un plan bien ficelé, élaboré à partir de modèles de communication qui tiennent compte
d'un diagnostic de la conjoncture. Mettez campé en table sectorielle communication interministérielle pour articuler une meilleure politique publique dans le domaine non cap faciliter résultats concrets, animer débat sur l'utilisation réseaux sociaux dans le bénéfice pays, travailler avec association presse dans le pays à la diaspora pour établir un climat de confiance en différents forces vives pays. C'est parmi divers projets, secrétaire d'État communication annoncé l'abgé pour le réaliser. Et c'est sur notre sage, amis téléspectateurs, nous mettons bout dans le journal là pour aujourd'hui. Nous te prenons pile plaisir pour informer vous. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.